C'est un investissement pour l'avenir. Travailler et apprendre sur des, vous le voyez, des machines qui sont en fait du dernier cri. Donc c'est un investissement pour l'avenir aussi de ce point de vue-là, parce que ça ne peut que faciliter leur insertion professionnelle. Et en même temps, c'est, je pense, garantir un niveau de diplomation dans les meilleures conditions, puisque plus on apprend sur des machines qui sont du dernier cri, plus la qualité du diplôme qui va sortir sera optimale. Le prothésiste dentaire existe au lycée Le Corbusier depuis plusieurs années. Elle ne possédait pas de laboratoire, donc elle était dépendante de location et donc de déplacement. Et c'est vrai que compte tenu des coûts que cela générait, il était plus intéressant pour la région et pour le lycée de gagner en autonomie, d'avoir son propre labo. Oui, c'est alors chaque étudiant qui entre dans cette filière de prothésie dentaire trouvera du travail. C'est quelque chose qui est très demandé et qui est un peu une filière de niche. Et aussi, n'importe qui ne peut pas y entrer. Ici, vous êtes sur une filière qui est des élèves qui sont recrutés sur dossier. Donc, pour 15 places, il y a beaucoup de demandes, peu d'élus, et il faut être parmi les meilleurs pour pouvoir rentrer dans ce cursus de bac pro prothésie dentaire.